Ok, c'est parti. Je la sens bien la game. C'est un Vegar glacial augmente. C'est chiant. Sur Xerath dans cette situation là, ça me donnera. Je serai invincible. Là Banshee, je serai invincible normalement. Putain, j'ai hit. Ah ouais, ça step à droite et sous. Putain, j'ai hit. Pourquoi je vais là moi? Pourquoi je parle pour ma vidéo, bordel de merde? Ça commence très bien. Let's go. Genre là j'ai cleanse parce que je m'en fous. Genre Vegar, qu'est-ce qui s'en bat les couilles que j'ai utilisé cleanse? Je vais pas mourir en fait, de toute façon on s'en fout. Je vais juste farmer. Et puis c'est tout. Bah alors on veut me buter ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te souiller. Bon, ils ont un peu niqué mon flash par contre, c'est un peu relou. Pas grave, je vais avoir dans une minute je vais avoir mon truc. Je suis assez safe. Oh, non, j'ai pas le droit de rater des canons comme ça par contre, c'est chaud. Par contre c'était ultra obvious leur gank là, hein. J'ai un peu hint. Il va me flash. Hein. Bon. J'ai un peu hint là. Ah, c'est tellement rentable gros. Non. Bon du coup Karmated hein. Karmated. Encore? Ah ouais, oh merde, j'ai une. Oh putain, pourquoi je cleanse comme ça? Ah ouais d'accord, donc là ça va être camp land en fait. Je veux jouer support, je veux plus jouer mid, c'est chiant. J'aime pas ce genre de game. Je peux pas mettre de control ward vu que je me fais camp. Je vais mettre ma control ward là peut-être. Oh putain la vache. Les gars, je peux pas jouer. Est-ce que mes hotlines gagnent? Ah ouais, pas du tout en fait. Et en termes de... Ah ouais, même pas. Attends, je me fais camp comme ça et personne gagne. Bah tu me diras Kha'Zix il est venu mid aussi. Là je m'avance, c'est ultra risqué. Hein. J'ai zéro vision. Hein. J'ai trop peur. Je suis traumatisé. Non mais les pink wards ne servent à rien en fait. Je me fais camp. Je peux pas défendre la control ward en fait. Parce qu'en fait là, mon Kha'Zix a moins de farm que Rek'Sai. Je comprends que dalle en vrai. Hein. Là je suis complètement perdu de la game. Hein. Je peux même plus ward. C'est mort, cette game c'est mort. Putain, ce que je dois sortir pour En fait là le Kha'Zix aurait dû jouer comme ça depuis le début de la game en fait. Juste camp mid comme le Rek'Sai. Pour qu'on les outplay parce que ben j'ai trop peur, je vous jure je me fais camp mais j'ai trop peur d'avancer en fait. Ok c'est wardé ici. Là le Rek'Sai va être là, genre c'est hallucinant putain. Je peux pas jouer. Allô. Je peux pas jouer. Je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un camp aussi violent de ma vie. Normalement, ça marche pas ce genre de truc parce que mon jungler a juste besoin de faire des counter gank. Aïe aïe aïe, c'est trop dur. C'est maintenant la botlane qui me campe. Putain, bah je suis pas aidé hein. Genre je vous jure, elle m'a traumatisé hein. C'est archi violent. Bon, moi j'abuse aussi hein. J'ai eu mon sixième sens de bâtard là en vrai. Je savais qu'il était plus ou moins là. Quoi? Quoi? Il est sérieux lui? Tu prends le bleu, moi de toute façon je me fais tellement comme ça ne sert à rien. Je vote yes parce qu'en fait la game je pense qu'on va la perdre. Je le sens pas le Xerath. Le Xerath, oui c'est moi. Je le sens pas non plus.
Non, je sens pas le Kha'Zix, je sais pas, je... J'avoue, je suis énormément mauvaise foi, mais... Je sais pas, franchement, vous êtes déjà fait comme ça. J'ai dû me prendre 10 ganks. En 5 minutes, genre. J'ai rarement vu ça, en vrai. Ah, bonjour. RIP. Ça passe, c'était rentable, Flash. Pour ceux qui jouent jungle, là, si votre mid se fait camp comme moi, là, vous faites quoi? Vous le laissez ou vous faites des counter gank? Et vous wardez pour lui? En vrai, je suis du père, en vrai. Je comprends pas pourquoi il est pas venu, en fait. 0-7, la botlane. Ah ouais. J'avoue, je suis en 2-6, mais je vous jure, je me suis tapé 13 gank, hein. Je veux juste la FM, genre, ces games-là, genre, je les aime pas, là. Je peux pas vraiment jouer, genre, mon équipe est vraiment derrière. Putain, c'est con, j'aurais peut-être pas du back, là. On peut la gagner, mais en plus, ça tilte un petit peu la botlane qui a 0 kill. Ils sont ultra tilt. Oh, let's go. Oh! Mais attends, on peut la gagner. Yes, I'm coming. Boom. Hey. Mais, franchement, est-ce qu'il y a des gens qui ont pas cru dans cette game qu'on allait la gagner? Vous êtes aussi défaitiste que ça? Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez de la vie. Ah, je suis... Arc. Ah, voilà, tout ça grâce à moi en plus, c'est fou. Non, je sais même pas comment on a fait pour faire ce move là. En vrai, ça nous a remis tellement dans la game. Là, tu vois, le graphique était comme ça. Là, il est comme ça. Je vais rester avec mon équipe. Que quelqu'un meure à ma place là pour une fois, s'il vous plaît. Let's go. On groupe. Putain, une équipe qui groupe. Les gars, j'ai une équipe qui groupe. J'ai vu mieux. Ok, ils se sont suicidés pour moi, c'est pas mal. Ça fait mal. Le bon. Oh, le Kha'Zix, c'est méga chaud. Qui n'a pas cru en ce Kha'Zix là? Eh, vous me dégoûtez. Ceux qui ont mal parlé du Kha'Zix, vous me dégoûtez. Pentakill, gros. What the fuck, il a trop bien joué le Kha'Zix. Bam, il a fait un truc comme ça, il a ressauté en mode sauterelle et tout. Zbri. Oh là là. La téléportation qui fait la différence ici. Qui a mal parlé de la téléportation? Ah, oh, vous me dégoûtez. Oh, trop bien. Vas-y, je dis plus rien moi dans la game. Tout ce que je dis, il me contre tout, genre. C'est vraiment bien la mid lane, hein. On sent la différence qu'on a faite. C'est vraiment super cool. Et c'est ce que je vous avais dit, tu vois. Même si on me campe, ça va être facile. Never FF, les gars. Oh là là, je suis tellement heureux d'avoir dit non. Le plus gros mytho de la Terre. Boum. Des souilles, moi. Ça esquive bien mes trucs. Aïe, ça c'est mal joué par contre. Oh oui, let's go. Oh, le bâtard. On push. Ah, let's go. Et franchement, si on a gagné cette game... Qu'est-ce que je raconte? Franchement, on l'a gagné cette game. Faut y croire en nos rêves. Merde. Putain, j'ai raté tous mes sorts là. Non, meurs pas comme ça. Tu sais, dans ce genre de game, t'as tellement envie de lâcher, hein. Ah, ça valait le coup de me camp. Mais en vrai, même pas. En fait, c'est ce que je disais, c'est que vous voyez Veigar. Comment dire? C'est pas un champion qui peut snowball sur Xerath en 1v1. Il a toujours eu besoin de Rek'Sai pour me tuer. Et c'est pour ça que moi j'aime pas
par exemple, quand je joue Talia et que je suis contre un Z, mon jungler me campe. Mon jungler me campe. Et je suis en 3-0 avec Talia. Et ça sert à rien, en fait, contre le Z. Je vais me faire souiller quoi qu'il arrive, en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé sur le Vega. Il était pas ouf. Il a toujours eu besoin de quelqu'un pour tuer. Et finalement, les deux, bah, ils étaient perdus quand on avait teamfight. Après, on a eu un move. Regarde, attends, vous allez voir, il y a un gros délire dans le graphique. Ils ont perdu, je pense, 10k gold. Overview. Ah non, ok. Pas 10k. Ok, on était à 5k. Je vous avais dit, hein. Ça fait... Oh, oh ce move-là, mec. Et bah, GG, well played. Oh, let's go. On est deuxième. Hello, salut Mandrago. On est deuxième. Qui est premier du club, là? Allez sur club GG, les gars. Allez sur club. Encore Aizman fan. Non, mais c'est pas... Non, mais lui, il cheat. Non, mais putain, il triche. C'est qui, ce mec? Il triche de ouf. C'est un cœur. Les gars, je vous jure, c'est un... Aizman fan. Que quelqu'un trouve cet homme. Non, c'est impossible. Ce mec a 260 000 pièces. Il peut s'acheter déjà genre 18 skins. Non, mais c'est qui, ce mec? Bon, du coup, bah j'espère que vous avez aimé la game avec Xerath. Croyez en vos rêves, évidemment. Hein. Et puis, c'est ça.